suis Laurence Calez, je suis romancier et scénariste. J'ai écrit 7 romans, 7 thrillers. J'ai également écrit, scénarisé et co-créé des séries et des téléfilms pour la télé française. Et aujourd'hui, je suis là pour présenter mon dernier livre qui s'appelle La Voix des âmes, qui est un thriller qui raconte l'histoire de Richard Neville, qui est un policier à la brigade criminelle du Quai des Orfèvres à Paris. Richard a un don. Lorsqu'il touche une personne morte, il voit les derniers instants de sa vie. Un don qui lui vaut d'être régulièrement sollicité par les polices du monde entier. Et quand l'histoire commence, il est appelé à New York, à Brooklyn, où il y a un tueur en série insaisissable qui sévit depuis plusieurs semaines. Il s'y rend avec sa femme. Et lorsqu'il est sur une scène de crime, sa femme est assassinée à Central Park par deux hommes au moment où elle tente de leur échapper. Sa femme est morte. Il rentre en France annoncer à ses enfants que leur mère n'est plus là. Et au moment où il est rentré, une femme lui rend visite, une femme mystérieuse. Elle lui propose un marché. Elle lui dit « Je peux vous rendre votre femme, je peux la sauver, mais à condition que vous me rendiez un service. » Alors, quel est ce service? Richard va-t-il accepter? Et quelles sont les conséquences du pacte qu'il va signer avec cette femme? À partir de là, on est dans un suspense, il y a plein de mystères, des énigmes à résoudre. C'est un roman très humain, très humaniste aussi. Il y a beaucoup d'émotions. J'aborde plein de thèmes comme la famille, le couple, le deuil, la gestion du deuil, mais tout en respectant la construction du thriller avec des rebondissements et une fin, j'espère, le plus surprenante possible.